Salut à tous et bienvenue dans Riding Zone, votre nouveau magazine de la culture glisse. Chaque semaine, je ferai partager l'actualité des sports extrêmes. Vous découvrirez ainsi les images les plus folles à travers des reportages ou encore des portraits. Alors sans plus attendre, le sommaire de l'émission d'aujourd'hui, c'est parti pour Riding Zone. Au programme de ce premier numéro de Riding Zone, vous aurez des sports mécaniques avec le Stunt Bike Show. Ensuite, direction Montpellier pour la dernière édition du Festival International des Sports Extrêmes. Il est beau et il surfe comme un dieu. Voici le Tahitien Michel Bourrez, nouvel espoir du surf mondial. La chanteuse Kélia sort son deuxième album, c'est l'invité de Riding Zone. Enfin, vous découvrirez les dernières nouveautés jeux vidéo et multimédia. C'est parti pour Riding Zone. Je vous le dis, la planète glisse ne s'arrête jamais de tourner. La preuve en image avec les news. Pour bien attaquer l'automne, vous avez bien sûr droit aux dernières news de l'extrême. On revient d'abord sur la première manche du championnat européen de wakeboard en téléski organisé à Moncontour dans la Vienne. La compétition a rassemblé plus de 100 riders à travers différentes catégories, ouvertes aux filles et aux garçons. Chez les filles, le niveau est de plus en plus élevé. Certaines n'ont rien à envier à leurs concurrents masculins. C'est justement au tour des hommes de s'élancer. Dans la principale catégorie Open Home, c'est l'anglais Nick Davis qui a dominé la partie en exploitant au maximum le plan d'eau. Voici une innovation qui va enchanter les fans de skate à la recherche de plus de sensations, le skate magnétique. Son inventeur, Philippe Riandé, nous fait une démonstration en images. I'm just wasting away, we're wasting a day, chasing the odds, some ways between the gray, no melee, it's finna be payday, this remedy they say could take away the doldrums and rap music, so make way, codename Scorpion to get that ball. C'est sur le spot du Lac Ado Pro que les jeunes loups du surf se sont affrontés pour le Oakley Pro Junior. Les conditions n'étaient pas forcément au rendez-vous, mais elles ont tout de même permis à ces gabarits légers de démontrer tout leur potentiel. Voici le surfeur réunionnais Romain Cloître. Son surf stylé et précis lui permet de remporter la compétition. Il décroche du même coup une wild card pour participer au Lac Ado Pro. Bravo Romain. Le lendemain, c'est au tour des filles de s'élancer. Malgré de petites conditions de vagues, c'est la Française Alizée Arnaud qui s'impose avec un surf stylé. Elle prend grâce à cette victoire la 5e place du classement européen. Enfin, on termine les news par la 3e édition de l'Urban Plagne, organisée à La Plagne, dans les Alpes. L'Urban Plagne est un événement dédié à la culture urbaine avec du skate, du roller, du BMX, du graff, du hip-hop et du parcours. Tout un programme pour le public. Pour l'occasion, une aire de street de 2000 m² était construite au cœur de la station pour accueillir des stars de la glisse comme Marc Aziza en skate ou Julien Cudo en roller. On regarde ça. Petite devinette, si je vous dis wheeling, can-can, bonne odeur de pneus fondus sur l'asphalte, vous pensez à quoi? Au stunt bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas, Riding Zone s'est rendu au Stunt Bike Show 2007, un immense rassemblement de motards près de Paris. Attention les yeux, ça va chauffer. Et oui Eddy, c'est sur le circuit Carole, situé en région parisienne, que les meilleurs riders français et européens de stunt se sont donné rendez-vous pour le Stunt Bike Show 2007. Pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, le principe est simple. Réaliser un maximum de figures, appelées tricks, au guidon de sa moto. Stunt signifie d'ailleurs en anglais cascade, mais le stunt moto, ce n'est pas de la cascade comme on peut en voir au cinéma. Le stunter est plus proche en fait de l'acrobate. Il repousse toujours plus loin ses limites et celles de sa moto pour réaliser des figures toujours plus osées. Il faut de l'équilibre, beaucoup d'entraînement et un énorme grain de folie. On regarde ça. Le stunt est un sport qui n'a pour limite que la créativité et l'inventivité des riders. Aujourd'hui, les meilleurs sont capables de réaliser des figures à faible allure, comme le burn-out, mais aussi à près de 100 km/h. Mmh.
Parmi les prétendants au titre, voici la légende française de la discipline, Monsieur Duke. Et il sait vraiment tout faire avec une moto. Après quelques minutes d'échauffement, il invite même le public à rider avec lui. Sensation forte garantie. Et voici l'Hongrois Zoltán, le tout nouveau champion du monde de stunt. Il fait une démonstration ahurissante, tout en souplesse et créativité. On a du mal à croire que l'engin qu'il a entre les mains pèse 200 kg. Ça se passe de tout commentaire. Yo, this is for press only. Execution is built from scratch. Album in store is sold. Je vous propose maintenant de partir à Montpellier pour revenir sur les meilleurs moments du FIS, le Festival International des Sports Extrêmes, un événement incontournable de la culture glisse. Que ce soit en skate, en BMX ou en snowboard, les meilleurs riders de la planète étaient là. Ride in Zone aussi, on regarde ça. Pour ouvrir ce premier numéro de Riding Zone, nous ne pouvions pas manquer l'occasion de revenir sur un des événements phares de la scène glisse française, le Festival International des Sports Extrêmes, qui s'est déroulé à Montpellier en mai dernier. Cet événement, qui fêtait ses 10 ans, a rassemblé plus de 1500 riders amateurs et professionnels dans toutes les grandes disciplines de l'extrême, du skate au BMX, en passant par le snow ou le ski. On commence tout de suite par l'épreuve de wake, organisée sur le Lez, au cœur de Montpellier. Et voici le run du vainqueur, le Britannique Kevin Henshaw. Regardez ça. On passe au skate avec le Brésilien multimédaillé d'or aux X Games, Sandro Dias. Aérien, précis et ultra explosif, Sandro Dias mérite son titre de Brésilien volant. Toujours sur la rampe, voici les pros du BMX, et là aussi, il y avait du gros niveau. Sur la double mini-aspin, la compète était très disputée, mais l'anglais Mark Webb, grâce à une grande variété de figures, remporte la compétition. En dirt, voici l'Espagnol Caro Alejandro. Il a impressionné le public et laissé les autres compétiteurs sur le carreau avec ses tricks variés et ultra engagés. Le dirt, une épreuve qui a toujours énormément de succès. Retour sur la rampe avec le jeune Julien Cudo, 13 ans à peine, qui était impressionnant en rampe et en street. Du côté du BMX Flat, c'est le jeune français Mathias Dandois qui décroche le titre. Voici son dernier run. Malgré la chaleur, l'organisation n'a pas hésité à proposer une compète de snow et de ski pour que toutes les disciplines de l'extrême soient représentées. En snow, c'est David Livet qui termine premier.
En ski, Andy Collet remporte l'épreuve. Et c'est parti pour la grande finale de BMX Street, l'épreuve la plus réputée du FIS. Ce contest a rassemblé la crème des riders avec des légendes comme Dave Mira, Ben Wallace ou Mark Webb. Voici l'anglais Mark Webb, il a déjà remporté la compète de mini-rampe et il est vraiment survolté. Regardez ça! En réalisant cette figure, un 3-6 triple tail whip, Mark Webb rentre le plus gros tricks de l'année et termine première en street. Vivement l'année prochaine! Et maintenant, gros plan sur un surfeur. Il est tahitien, il a 21 ans, il fait parler de lui depuis plusieurs mois déjà. Il a remporté la dernière compétition O'Neill's Mission. Il s'agit de Michel Bourès, qu'on a rencontré pour vous. Voici son portrait. Salut, moi c'est Michel Bourès, je suis de Tahiti et j'ai 21 ans. Ben en fait, j'ai commencé le surf à l'âge de, on va dire, 8 ans. Et petit à petit, j'ai continué, j'ai fait un peu de sport autour. Vers 14 ans, ben j'ai décidé de tout arrêter à part le surf. Je me suis focalisé dessus, commencé à faire des compétitions à Tahiti, essayer de voir si ça marchait. Ça a commencé à marcher, puis j'ai continué, j'ai fait des pro juniors ici, en Australie. J'ai vu que ça marchait, moi aussi. Ensuite, ben, j'ai eu mon bac et là, j'ai décidé de continuer dedans, quoi. Ça fait 4 ans que j'en vis, quoi. Et ça va, il y a des moments difficiles aussi, surtout le début, c'est pas facile, quoi. Mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Plus je fais des résultats, ben, mieux c'est pour moi, mieux c'est pour tout le monde. Pour les sponsors, pour la famille, tout le monde est content. Je pense que je suis peut-être un surfeur puissant, quoi. J'aime bien les grosses conditions, je me sens bien dedans. Et voilà, ben j'essaie de faire des nouvelles manœuvres, les airs, tout ce qui est basique, quoi, dans le surf. Essayer d'améliorer à chaque fois et voilà, plutôt les grosses manœuvres. Quoi. Il y a des là, il faut aller à l'eau. Hein. Une journée dans ta peau, ça ressemble à quoi? Ben, le matin, tu te lèves, tu vas mater les vagues, tu regardes si c'est bien. Si c'est bien, ben, tu vas à l'eau, si c'est nul, tu vas quand même. Et vu que c'est en fonction des vagues en fait, s'il y a de bonnes vagues, tu essaies de surfer, tu surfes et tu apprécies le moment. Et quand c'est nul, tu surfes de moins en moins. Quoi. Ensuite, tu rentres, tu bois ton café. Ensuite, ben, vers 10h par là, tu retournes à l'eau, tu fais une petite session, tu sors de l'eau, tu vas manger, tu restes avec tes copains, tu regardes un peu de films. Ben, quand tu te sens mieux, tu vas surfer, tu retournes au bord. C'est un peu que ça. Quoi. À chaque fois que je suis à l'eau, ben, dès que c'est gros, ben, tu as toujours peur. Mais bon, tu n'essaies pas de penser, tu essaies de faire le maximum à chaque fois, quoi, de lâcher. Plus tu réfléchis, plus c'est dangereux, je pense. Moins tu réfléchis, ben, des fois ça passe. Quoi. Une des expériences la plus marquante, je pense, c'était à Haleiwa. Haleiwa, Hawaï. J'ai pas pris la plus grosse vague, non, c'est juste qu'elle a cassé devant moi. Quoi. Et que j'ai pas eu le temps de piquer, et voilà, ben, j'ai bouffé la sette. Ça m'a bien marqué. Ouais. T'es resté combien de temps sous l'eau là? Je sais pas, peut-être on va dire 10 secondes, mais bon, ça paraît peut-être 1-2 minutes quoi, dans ta tête. Ouais. 10 secondes c'est long et tu bouges, tu nages, tu stresses. Tu crois que c'est la fin. Voilà. Ben, le fait de venir des îles, c'est peut-être un plus aussi, quoi. Parce que voilà, ben, on a toutes les conditions, on a du reef, on a des beach breaks, ça te permet de surfer un peu partout. Quoi. Alors que si tu viens d'ici, t'as que des beach breaks et t'as pas l'appréhension du reef. Quoi. C'est, voilà, ben, ça a été plus facile pour moi de percer dedans. Quoi. Venant de Tahiti ou Hawaï ou des îles, quoi, tout simplement,
t'es entouré les dos, quoi. Tu finis dans l'eau, un de ces quatre. Quoi. Mais voilà, depuis petit, ben, tu vas à la mer. C'est presque. Voilà, c'est le quotidien quoi, chez nous. Et le surf, ben, ça a toujours été un mode de vie à Tahiti et même à Hawaï aussi. Quoi. Vu que avec tous les copains, après l'école, ben, on se retrouve tous à l'eau, on va tous surfer, c'est un moment de plaisir quoi, pour chacun. Après le surf, cap sur la musique, on a rencontré pour vous une chanteuse qui va faire beaucoup parler d'elle. Elle s'appelle Kelia, elle va sortir son premier album solo dans quelques semaines et c'est tout de suite dans Riding Zone. Sur qui est l'exemple, une cartite qui a bien marché. Ensuite, il y a le morceau avec Wallen, le morceau avec Eloquence, Match Nul sur Taxi 3. Et après, mon premier album, On a tous besoin de croire, avec Belly Dance et Quand une fille est là. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas vraiment qui est Kelia, parce que j'ai fait pas mal de morceaux. Mon premier album, il était vachement éclectique. C'est normal, c'est son premier, donc forcément, tu as envie de tout dire, tout faire. Et à l'époque, je me rappelle, j'étais arrivée avec des titres un peu plus hip-hop et tout. Et c'était pas trop la mode, quoi. Une meuf, tu sais, caractère, j'ai écrit à 6 ans ce morceau-là. Donc c'est pas un morceau que j'ai écrit hier, quoi, tu vois. Là, j'ai pris, un grand virage parce que j'aurais pu peut-être pu choisir la facilité, faire un album qui ressemble un peu au premier. J'ai voulu faire un truc qui me ressemble un peu plus. Je suis revenue à des trucs voilà, que je faisais avant. Et c'est un album, je pense que quand les gens l'écouteront, ils sauront un peu plus qui je suis. Mais il y a un grand remix de l'hymne du ghetto, ouais. Où y a, qui dure 7 minutes, où il y a Demo One, Dry, Jackie Brown, DOC, Amine Montana. Et voilà, moi je kiffe ce morceau-là parce que forcément j'ai fait appel à des mecs super simples, super modestes, des mecs qui sont nés avec leur cœur. J'ai envie de faire mieux sur cet album forcément que sur le premier. Je m'attends à mieux, j'ai travaillé 2 ans dessus donc j'ai un petit peu peur et je me dis j'espère que ça va le faire, j'espère que les gens vont kiffer et voilà, que ça va leur plaire. J'aimerais bien, tu connais, comme tout le monde, une fois dans ma vie, pouvoir faire soit l'élastique ou du parachute. J'imagine que ça doit être une sensation de ouf, quoi. Mais je suis tellement une stressée de la life, moi, tu vois, que déjà, l'avion, j'ai super peur de l'avion. Donc déjà, moi, prendre un avion, c'est tout un concept. Alors je me dis, t'imagines, je suis dans un truc qui vole haut et on me dit, saute. Je ne sais pas si mon cœur, il va pas se dire à un moment, oh là là, elle est folle, elle va s'arrêter d'un coup comme ça. La chose la plus extrême que j'ai fait dans ma vie, j'étais partie une fois dans une rivière qui s'appelle la Lézarde, c'est en Guadeloupe, et les habitués sautent d'un genre de rocher qui est super haut, mais bon, c'est ceux qui connaissent, tu vois. Et comme moi, je suis une gamine et cap ou pas cap, laisse tomber. Donc forcément, il y en a un qui a ouvert sa bouche trop fort et qui a dit « Ouais, toi, t'es pas cap ?» Je dis « Ah, moi, je suis pas cap, tu vas voir. » Je suis montée et donc il fallait escalader, tout ça, tout ça. Et après, quand j'ai vu, je dis « Waouh, c'est haut quand même !» Tu vois. Et j'ai sauté, sauf malheureusement pour moi, j'ai glissé. Et donc, je suis tombée les genoux, les premiers, donc ont tapé sur mon ventre. Je me suis pété 2 côtes. Enfin bref, ça a été après n'importe quoi. La définition de l'extrême, ce serait des choses qu'on croit impossibles. Des choses qu'on croit impossibles, qu'on ne serait pas capable de faire. On se dit, mais non, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Et que tu vois quelqu'un le faire ou que toi, tu dis, je vais le faire. C'est ça vraiment l'extrême. C'est des choses qui sont des fois bonnes, des fois pas bonnes aussi. Des fois dangereuses. Donc c'est tout ce qui est dangereux, tout ce qui est peut-être, qui est peut-être pas habituel, qui se fait pas et que quelqu'un aura décidé de faire. Voilà, c'est ça l'extrême pour moi. Vous croyez encore que le ski ne se pratique qu'à la montagne? Détrompez-vous. Des riders ont débarqué à Paris pour une petite session improvisée. Quand la neige laisse place au béton, c'est le sujet de notre rubrique insolite.
Voilà, on s'appelle Amaze. Amazing, ça veut dire hallucinant. Et genre, le trip, c'est de faire les trucs les plus ouf possible. Et voilà, on kiffe Paris, on kiffe le ski. Donc du ski à Paris, parce qu'on pouvait pas aller au ski, tout simplement. Chaque semaine, je vous fais découvrir les dernières nouveautés DVD et jeux vidéo. C'est votre rubrique multimédia. On commence cette rubrique avec la sortie du DVD Surf Legend, qui raconte le voyage en Californie de 5 jeunes surfeurs français hébergés chez le double champion du monde, Tom Curren. Le documentaire nous fait partager leur quotidien entre surf et American Way of Life. Surf Legend est vendu avec le magazine Trip Surf de ce mois-ci. Voici quelques extraits en exclusivité. Et voici un tout nouveau jeu vidéo disponible gratuitement sur le web, U-Riding. C'est le premier jeu vidéo de surf et de bodyboard disponible en flash sur Internet. C'est une jeune société française, IntelliSurf, qui est à la base du concept. À la rame ou tracté par un jet ski, vous pourrez surfer les meilleures vagues du globe et vous frotter à d'autres joueurs dans des compétitions en ligne. Et oui, Riding Zone, c'est déjà fini, mais avant de se quitter, je vous ai réservé une petite surprise avec une sélection des plus belles images du moment. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur RFO, même jour, même heure. Et d'ici là, bonne glisse! I did it all, I put the pieces to the puzzle. Just as long, I knew me and my people was gonna bubble.